Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paper Mario Color Splash. Aujourd'hui, on va aller dans le Colisée. Oh. Oh, le Colisée, ton endroit préféré. Il est tenu par un mascasse. Quand oui, quand on y mène. C'était quoi ça? On devrait peut-être d'abord aller à ce guichet. Pourquoi? Vous m'embêtez, je voulais juste aller là-bas. Colimene! Le Colisée d'Orbe est entre un événement, une pièce de théâtre, d'un événement d'importance de ce ténèbre Colimene! Les compétitions de France affrontent dans des combats épiques avant d'essayer d'remplir des prix ultimes, une grande étoile de couleur. Qu'est-ce qu'il a dit, une grande étoile de couleur? Laissez-moi passer, je vais tous me les faire à la loyale! Ou sinon, toi, Mario, vu que t'es le héros de cette aventure. Mario, je n'arrive pas! Ce pot de peinture vient même taper Mario! Laissez-moi vérifier quelque chose. Ah, c'est bien ce qui me semble, ta candidature a déjà été déposée. Quoi? On n'a encore jamais mis les pieds ici et Mario est déjà en lice pour participer à la Colibellée? J'imagine que ce genre de choses peut arriver quand on est une célébrité. Venez emprunter la porte à votre droite et vous dirigez vers le gâchis des guichets des qualifications. Bonne chance! C'est vraiment une étoile, une grosse étoile de couleur qu'il y a ici? Mais non! Ah ouais. Moi j'y suis allé juste comme ça pour le fun, hein. Je peux aller là quand même, oui, ça va. Oh, regardez-le. Donc, allez, des tribunes en cours, merci de revenir plus tard. Si vous souhaitez participer à la Colimélée, rendez-vous au bureau des inscriptions juste à droite. Et ça, ça dit quoi? La tribune des spectateurs. J'ai même pas le droit d'être un spectateur, bon sang! Bah non, tu es inscrit en tant que participant. C'est drôlement sombre dans le coin. C'est pour nous mettre dans l'ambiance, j'imagine. Je suis impatient de défaire mes adversaires dans un feu d'artifice de barbarie digne de ce cadre imposant. Enfin, oui, non, c'est toi, on a dit. Mais tu sais, tu peux te battre, peinturion, si tu veux. Alors, y a-t-il des choses à peindre ici? Mais oui, mais pourquoi vous avez absorbé la peinture? Ah ouais, c'est pour être plus fort, comme ça on... Vous êtes un peu bête, des fois. Hein. T'as vu? Ils ont des bulles, c'est pour dire que ce sont pas des ennemis. Ah, y en a un qui a pas les bulles, hein. Regardez, Mario s'entraînait avec son marteau, incroyable! Mon rêve, c'est de participer à une Colimélée, mais je suis pas sûr d'être utilisé pour un défi de ce calibre. Bien, il faut que quelqu'un te le dise, effectivement, t'es pas équipé, il prend pas mal, hein! Regarde, j'ai plein d'argent pour pouvoir payer mes frais d'inscription. Il est un peu trop sûr de toi, mon gars, alors un conseil, remets ton masque et arrête de te la ramener. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop au courant que Mario existe. Ok. Dans ce monde. C'est normal, c'est une île éloignée du royaume champignon. Et alors, je croyais que c'était une star internationale, Mario. Loge 2. Ouais, je suppose qu'on va visiter les loges. Allez, c'est parti. Je vais faire une éloge à la loge 1. Oh, noble pièce remplie de mascasses et de 2 et de 1. C'est beau. Il y a même des mascasses roses. C'est la lumière. Oui, je sais pas. Les mascottes vont tout casser, d'accord? Je vais entendre les acclamer et en déchirer les tribunes. Tu veux dire que tu vas tous les affronter? Les affronter en même temps? Ouais, maintenant il est plus rose. Bon, je suppose qu'il faut que je visite la loge 2 pour voir s'il n'y a pas de peinture. À faire. Mario, il revient pour faire la peinture. Et là, le type tourne les talons et se met à détaler vu comme un dingue. Vous aurez vu son masque blanc comme un linge. Il cavale sans même regarder devant lui, droit vers le mur de l'arène. Arrête! Non mais la honte! Les gars, je suis juste là, c'est pas trop sympa ce que vous faites. Oh le pauvre. Allez, c'est parti pour l'éloge à la loge 3. Ah, je peux pas l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Ma loge là devant, mais j'ai claqué la porte et je peux plus rentrer, et la journée commence au poil. Ouais, je peux pas l'ouvrir, désolé. Finalement, il y avait des choses encore à droite. Je sais pas si c'est pas des loges, ça aussi. Ah! Ah non, c'est une réserve. Bon bah alors, c'est parti! Ils ont dit que j'avais pas le droit de me... C'est écrit que j'ai le droit de me servir. Non mais là, c'est complètement bizarre, il était juste là, j'en suis sûr. Vous avez pu le quitter des yeux une seconde, après tout le mal qu'on a eu du mal à le piquer dans la vallée marmelade. Mais il était juste là, il a pas pu aller bien loin, il est forcément toujours dans le Colisée. Ok les gars, on respire et on se recentre. Qu'est-ce que vous avez perdu? Non, vous dites rien, hein. Dommage. Peut-être qu'il parle de champignite. Comment ça, elle est pas dans la vallée marmelade? Non, mais je voulais juste sauter là pour aller vers toi.
Vous avez perdu un truc, Mario va vous le retrouver, y a pas de problème. Non, vous avez vraiment rien. Y'a vraiment rien ici. Bon bah désolé les gars, y a rien ici. Vas-y, je m'attendais à trouver des cartes dans la réserve. En vrai, c'est vrai que j'ai pas sauté. Mais théoriquement, y'a pas de raison que ce soit dans un bloc. Oh, je suis sûr qu'avec l'arme adéquate, tu pourrais gagner avec Colimélé sans problème. Ah mais qu'est-ce que je raconte, je suis déjà trop timide pour approcher du bureau des qualifications. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ah mais non, le bureau des qualifications. Ok, c'est bon, j'ai rien. Tu t'es inscrit, mais t'as pas encore été te qualifié. Ah là là, tant de tristesse dans le cœur de... Mascasse. Petit bonhomme. Bienvenue au guichet des qualifications de la Colimélé, je suis là pour déterminer si ta candidature est recevable. Pendant qu'un instant, je vais poser une question. Y a-t-il un os? Pas que je sache. C'est comme ça, pas de combat pour toi. Désolé, mais tu ferais pas de vieux os. Reviens quand tu seras vraiment équipé jusqu'à l'os. En attendant, ce sera la tribune des spectateurs. Ok, d'accord. Pardon, alors. Pas de réponse précipitée, surtout. Tu vois ce que je veux dire par là, n'est-ce pas? Je prends peut-être moins un colosse, un gros féroce, super véloce, mais t'as assez hâte de l'avoir dans l'os. On sous pas, c'est toute la question. Nous comprenons, n'est-ce pas? Mais t'as pas d'os, pourquoi t'y vas alors? Mini, merci, tu m'as fait un malheur, ça va être une boucherie. Et tu veux vraiment y aller sans os? Faut que j'aille chercher un os. Je me demande si le truc il va rester. Bah. On nous l'a volé! C'est cette pile de masquage jaune qui en avait rien à faire, c'est super louche! Arrête, c'est pas de chance ça! Je suis sûr que ce truc aurait pu nous servir! Ces masquages, dès qu'ils sont en pile, ils nous se croient tout permis. J'espère qu'une équipe de sauvetage est sur le coup. Enfin, on retombera peut-être dessus par hasard, qui sait? Oh, du coup, il est dans le Colisée, l'os. Ouais, cet os me fait penser au jour où tu m'as sauvé, Mario. J'espère que tu le retrouveras. On s'est fait avoir! Je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai dit que Champinette, elle était pas dans la vallée Marmelade, alors qu'en fait, si, justement, ça m'a pas assez marqué, visiblement. Ah, non, non, bon, il faut falloir que tu le refasses. Et je vais te remontrer le trailer, si tu veux. Ah, c'est pas le trailer, c'est la pub. C'est un peu comme un trailer, non? On peut pas y aller, là, en fait. Ok, je pensais qu'on pouvait y aller, là, mais tu peux pas y aller alors qu'il y a des trucs derrière, je le vois. Si ça se trouve, l'os, il est à gauche, à droite, pardon, ce mais... Ce sont des boulettes de papier. Boulettes de papier. D'ailleurs, tu verras qu'il y a que des masques dans ce Colisée. On va affronter que des masques. Ou alors, l'os, il est dans la loge 3. C'est pas impossible. Bon, bah... Mais t'as refermé la porte! Ah oui! S'il vous plaît, monsieur! On referme pas l'ascenseur! Là, non. Mario, regarde! La grande étoile de couleur! T'es tombé dans le panneau, Mario! Profite bien de la colimélée et de tes... blablabla! À tes derniers instants! Regarde, il y a des traces de champinette! Elle est où, l'étoile? Pour tous les battre d'un coup. Oh, oh, Mario se retire et on confetti la réponse dans quelques instants. C'est pour ça qu'il était déjà inscrit. Ok, ok, ok. C'était pas un groupe de fans. Vas-y, je vais faire un colis mêlé. Oh, ils sont gentils. Il y a même un champignon vert. Allez, 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 allez. Oh oui, le champignon rouge. C'est parfait pour Mario. Est-ce qu'il y a d'autres doubles marteaux, doubles champignons? Mais oui, il y en a plein. Allez, c'est parti, Mario! Ok, plus nul que jamais. Ah, ah, le voilà! Celui qu'on attendait tous. Là, là, là. Je rate complètement toutes mes attaques. C'est terrible, mais c'est le frère marteau! Wouh! C'est vraiment permis, ça, de faire autant de dégâts? Oh, les frères marteaux, ils rigolent pas. Allez, donnez-moi le double marteau. Double marteau pour deux fois plus de fun. Double marteau! Bon, fleur de glace. Ça marche aussi, je veux. Allez, on va utiliser une fleur de glace pour utiliser un champignon, parce qu'on a peur. T'imagines, tu les tues et du coup, tu utilises pas ton champignon? J'avoue. J'aurais dû faire l'inverse. Oui, non, mais de toute façon, hein. Bon, finalement, tu vas l'utiliser, ce champignon, hein. Parce que moi, je me suis pas entraîné. Tu te rends compte qu'il fait aussi mal qu'un Goomba géant? C'est toujours moi qui me prends ceux qui font mal comme ça. Pas de chance. Allez, tu sautes sur le frère marteau en premier. Parfait. Il a plein de vie, le frère marteau, en plus. Il est toujours pas mort! T'avais qu'à faire un excellent!
Je veux bien faire des excellents, mais il fallait pas faire si difficile que ça à faire les excellents. À l'attaque! Dommage pour toi! T'es mort. Dans l'atroce souffrance. Lui aussi, il est mort dans l'atroce souffrance. Merci, merci! C'est le grand Mario qui a gagné! Il est fantastique! Oh, il y a un truc? Oui. Visiblement, tu peux faire un trou. Je peux mettre une carte, c'est ça? Mais non, c'est trop petit pour faire une carte. Je... T'as découpé un gradin et un Luigi! Luigi! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce qu'il va faire, Luigi? Il me donne de l'argent. Attention, y a... je vois un Goomba pointu ou... Ah non, c'est un... quelqu'un qui meurt. Ok, Luigi. Vas-y, je pensais que c'était ça. Moi, je serais parti et tout. Non, je rigole, je vais tuer tout le monde. Ouais. Ok, Mario. Rien à faire, Mario. Il... moi, je monte mon marteau, hein. J'avoue qu'il donne plein de marteaux. Allez, venez vous battre contre Mario le Grand. Mario le Fantastique. Encore bien, un casting bien varié. Mario le Retour, notre pompier préféré, survivra-t-il à cette bataille? Rien est moins sûr. Je remarque que ta vie commence un peu à diminuer dangereusement. Bah peut-être qu'ils vont me donner un champignon, on sait jamais. C'est bien qu'il finit bien. Wow, des spikes partout. Ah, allez, voilà. Et maintenant, cher public, préparez vos applaudissements frénétiques, car voici le top du top, les jeunes, les adultes, les critiques, les enfants. Tout de suite, les 6 masques qui ont la côte, j'ai nommé les mascottes. Donc, il y a bien un masque rose, en fait. Oui. Oh là là, allez, mais... Non, mais j'étais en train de me préparer à vous shooter dedans. Niii, Mario s'affronte encore à de nouveaux adversaires. Mais peut-être ferait-il mieux de réfléchir plutôt que de foncer. Ah bon? Est-ce que quelqu'un va empêcher ça? Ah, enfin, Koopa! Oh purée, le jeu, il en peut plus. Mais tu devrais bien apprécier, t'aimes bien, toi, les endroits où il faut faire que du combat. J'ai l'impression que tu fais trop de combat. Je crois aussi. Je suis pas censé en faire autant. Je crois, oui. Je suppose que je vais arrêter après ce combat. Oh, je suppose que je ferais mieux d'y aller. Regardez-le là-bas derrière, là. Regardez-le, là, le spam par Goomba. Tu prends pas les marteaux, du coup? Mais non, ils vont me shooter dedans. Non. Genre, Mario, il peut quand même s'en aller, genre, voilà. Oh ah. C'était donc ça qu'il fallait faire. Mesdames et messieurs, quelle présence scénique! Mario n'a de cesse que de nous étonner. Il manque des gens? Je pense pas. Et le vainqueur est Mario! Place au spectacle, d'un côté notre invité très spécial, j'ai nommé Mario, de l'autre le maître du Chaos, le boucher du Colisée, en un mot votre champion. Nommé. Mario! Mario! Non, juste Iggy. Il est énorme, le poireau! J'avoue. Mario! Tu voyais ta tête, Mario? T'es prêt à affronter le champion, gros nulos? Bien surprise, c'est moi! Ouais, bah, non, moi, je suis pas un poireau. Mais... T'es quoi, un champignon? Non. Je suis sa... Voilà, c'est Iggy, ravi d'être celui qui te ratatinera. Regardez bien mes cruels sbires, je m'occupe de Mario et de sa boîte de conserve. C'est dommage, j'ai pas d'os. Je t'attends. Ah non, d'accord, ok. À l'attaque, Mario! À l'attaque! Je me demande du coup si t'auras des spécimens de... du boss. De l'anti-boss. J'espère que oui. Allez, le champignon, un up! Comme ça, si je meurs face à ce combat, oui, j'allais dire oui. Bon, allez, vas-y, j'ai quoi comme spécimen pour voler? Vas-y, je vais jeter un citron dessus parce que personne n'aime le citron, n'est-ce pas? Je vais faire ça, comme ça, je me débarrasse un peu des cartes qui servent à rien. Allez, vas-y, mange le citron!
Regarde là, tu vois, c'est un poireau. Un poireau au citron, on n'a jamais connu ça. Je suis sûr que ça se fait. Oh non, du citron dans les yeux, c'est horrible. Oh Mario, t'es terrible. Ça n'a rien fait. Ok. Non mais voilà, le citron, on peut pas lui faire confiance. Ça sert à rien, le citron. C'est pas pour rien que je dis que le citron, ça sert à rien. C'est pas bon. Arrêtez de mettre du citron dans le poisson aussi. Tu sais quoi? Je suis sûr que l'os, son objet, c'est de faire apparaître Champinette. Peut-être bien. Ah bah j'ai récupéré un spécimen de citron. Je sais pas, ça aurait pu faire un truc du genre l'empêcher de... Enfin, passer un tour, vu qu'il avait du citron dans les yeux. Tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, peut-être que ça marche pas parce que c'est un boss. Peut-être que ça marche pas parce qu'il y a des lunettes. Peut-être que ça marche pas parce que c'est un poireau. Oh, je suis devenu un champion du monde des jeux vidéo, t'as vu ça? Oh là là, bien joué, je suis fier de toi. Merci, merci. Oh, on dirait que t'es pas autant d'une tâche que je croyais. C'était plutôt un bon début, pas vrai les gars? Si on lui montrait les super pouvoirs de nos super chars maintenant. C'est trop facile, je vais piquer un somme et te laisser, mes gars, et laisser mes chats. Mes chats. Sniff char et frère char sont sur un char qui reste. Non, il faut qu'il y en ait un qui tombe d'abord. Oh, j'ai Sniff char et Koopa sont sur un char, qui reste-t-il? Bah les deux. Parfait. Parfait, allez, c'est parti Mario. Oh non, mais c'est... Oh. Manqué. Eh non, aucune attaque peut atteindre les chars. Oui, mais c'est bon, ça tu l'as déjà dit. Ouh. L'autre, il va m'envoyer des marteaux dans la figure. Oh, il fait moins mal, lui, il est nul. Être sur un char ne fait pas tout. Bon alors Mario, t'as pas l'air en forme. Elle te plaît pas, ma colimélée? Si t'as pas aimé le début, ça m'étonnerait que t'apprécies la suite. On reste en rang, les gars. Bon, à quand le spécimen qui les détruira tous? Mais c'est le citron. Mais je l'ai plus. Parce que voilà. Non, je rigole. Mais si on a un spécimen de citron, on a même pas de vrai citron. Oh zut, c'était celui juste après. Enfin, avant. En fait, il fallait vraiment utiliser le citron. Bah attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais non, je m'en ai... Moi, je vais utiliser ça. Ça marchera forcément. Ah mince, c'est vrai, il faut faire ça. Allez Mario, mange le super champi. Il est rouge comme toi. Ah bon, ils sont carrément partis, alors avant même que je lance mon attaque. Oh, regarde, c'est Mario qui vole. Ah là, même s'ils sont partis, ils devraient se faire toucher quand même, franchement. C'est sûr. Eh oui, nous sommes trop rapides. Démon, ces chars. Je suis censé attendre qu'on me donne l'os ou je suis censé redémarrer parce que j'ai pas d'os? Ils peuvent pas te bloquer dans le combat. Je peux fuir, en fait. À moins que tu utilises vraiment un spécimen de citron. Je sais pas pourquoi ils te spamment avec ce citron. Je peux fuir, du coup. Oui. Regardez, vous avez des super chars, et ben moi aussi. Du coup, je suppose qu'il faut que j'aille chercher l'os, pour de vrai. Ah, c'était l'os depuis le début. Bah alors? Ça va, vous êtes pas trop au courant, c'est ça? Peut-être tu peux couper la porte? Ah ouais? Bah non, non. Quand on a besoin vraiment d'utiliser le découpage, ça marche jamais. Et peut-être qu'ils ont ouvert le chemin maintenant à droite, remarque. Non? Mais surtout qu'en plus il y a un décapsuleur là-bas. Mais c'est pas un os, mais c'est pareil. Est-ce que je peux aller dans les vestiaires qui sont pas les vestiaires? Ah oui, je peux y aller. Alors qu'est-ce que vous me dites de beau? Les tribunes sont par ici, mais soyez prudents, les participants sont évincés et traînent encore dans le coin et ils ont l'air plutôt mauvaises.
L'accès aux tribunes supérieures se fait par cet escalier. Ne faites pas attention, ça couille de mauvais perdants dans le coin. Ah, ils vont me shooter dedans, je suppose. Attends, ça c'est... Ah, mais du coup, il y a des tâches aussi. Eh oui! Oh, mais non, mais ça va. Non, mais... laissez-moi tranquille. Bon sang. Pourquoi vous voulez m'attaquer absolument? J'ai même pas vu s'il y avait un cœur avant d'entrer dans le colisée. Non, il n'y en a pas. Alors, Goum Goum. Oh bah tiens, un cœur justement. Oh, un fusil. Oh, on atteint le mur de l'extérieur. Vu, il t'a coupé le souffle. Jamais on verra faire le clown dans cette arène, je vous le dis. Quand mon heure sera venue, je peux repartir dignement, aplati par Mario. C'est la seule fin honorable pour un Goomba qui se respecte. Bah alors, va dans le colisée. J'aime ton style, Mario. Ouais, je vais shooter dans le fusil quand même. Histoire de compléter ma carte de... Oh. Bon. Ils sont nuls. On va toucher moi. Touchez moi. Oh, il est même pas mort. Je même pas mort. Mais c'est pas grave. C'est pour profiter du combat, tu vois. T'as rarement l'occasion d'affronter des fusils, non? Non? Je suppose, oui. Je me souviens même plus si on peut leur sauter dessus. Oui, oui. J'ai plein d'amis, il a dit. J'ai cru que t'allais utiliser le marteau géant. Bah oui, il faut! Zupa technique! La technique du marteau! Très puissante! Et Mario, il aurait pu le faire à plus tôt, et ça aurait marché, et du coup on aurait fait qu'un tour, mais non, Mario il a décidé de le faire après. Ah, mais t'as plein de cartes, utilise-les. Ah oui, mais les combats ils sont longs. Oh bah autant se déplacer comme ça, ça va plus vite en fait. Pourquoi tu veux pas te déplacer comme ça? Ça va pas à la même vitesse? Non. Tu ne vois pas avec les 60 frames par seconde? Tu vois pas à quel point Mario est plus rapide comme ça? Ah. Oh, vous avez vraiment fait une transition juste pour ça? Ah non, ok, parce qu'il y a autre chose encore. Ah bah non, c'est fermé. Wow. Ah bah parfait. Ah, Mario le gourmand. Parfait. Ça va, Goum Goum? Qu'est-ce qui se passe? C'est le troisième étage ici. Pour les spectateurs qui n'ont pas le vertige, l'escalier est là pour descendre au deuxième. Parfait. Qui ont le vertige ou qui ont pas le vertige? Parfait. Ah, tu ne veux pas descendre? Ok. Non, moi je veux récupérer ceci. Tout ça pour quelques... Il y a une tâche là aussi au fond. Ça? Non, au fond. Sur le pilier. Au fond. Je sais pas comment dire plus au fond. Tu vois pas le pilier? Là, en plus, ça vient de clignoter. Purée, mais non, je vois rien, moi, je vois tout noir. Ok, bah... Oh, je suis censé... Je peux prendre la porte, maintenant? Avant, on pouvait pas, et maintenant, on peut, ok. Mais là, c'est pas une porte. Bah, je vais attendre, je suppose. Est-ce que si je me fais shooter dedans, c'est bien? Ça reset. Oui. En fait, t'es obligé de sauter. Oui, du coup. Oh, je vois des trucs pas peints encore. Enfin, on verra ça après, hein. Est-ce que c'est par là? Mais non. Bon, alors, il est où le truc à utiliser? Ah, les champions up. Ça sert à rien, en fait. À moins qu'ils donnent quand même de la couleur, malgré quand t'es mort, en fait. On dirait qu'il y a plein de blocs. Tu peux descendre, là? Tu peux pas y aller? Tu peux pas monter? Aller, peux pas aller voir les Koopas? Ah si. Je savais, les gagnants de la colimédie d'aujourd'hui gagnent une sorte de troll trop classe. Les vieilles festivités commencent et attendent encore un certain Mario, il paraît que je vois pas qui c'est.
Ah, ça doit être ça, des roulés. Mais tu vois, par terre, on voit des blocs, on dirait qu'ils sont pas peints, alors qu'en fait, si. Bon, y a rien d'autre. Je ne pense pas. Non mais laissez-moi tranquille, monsieur. Et du coup, tu peux pas remonter? Mais si, mais je veux voir ce qu'il y a ici. Ah! Ah, tu vas devoir venir ici pour le frapper. Ah, ok. Mais non, tu peux pas y aller. Ah mais non, mais si, il faut que je fasse... C'est pour te prouver que c'est ici que c'est... Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'appuyer là où il y a la forme. Y'a rien ici. Y'a rien ici! Regardez-le, lui, il veut me frapper, je sais pas pourquoi. Je lui ai rien fait, en plus. J'espère que tu y arriveras. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ils ont mis des piliers? C'est pas sympa. Franchement! Moi, voilà. Moi j'aurais été eux, j'aurais jamais mis de piliers. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a là? Des une carte sort. Ah, parfait. Ah, je croyais que c'était le deuxième étage. Mais non. Mais non. Wow, il y a plein de Goomba. Goomba, aïe, aïe. Bon, il y a un truc caché. Genre une porte. Que tu n'aurais pas vu. Regarde, il va m'attaquer, tu vas voir. C'est pas pourquoi. Tu peux aller aussi derrière. Oui, mais je vais aller là. Oui, 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 oui. J'ai compris. Ouais, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous mourrez quand je vous joue dedans? Même pas. Ah, les trois sauts miteux. Ça faisait longtemps. Et là, est-ce que. Combien ils sont super longs. Est-ce que tu vois là, la tache blanche sur le pilier? Laquelle? Bah, au fond. Là. Oui, je l'ai vu un peu en fait. Moi je pensais que c'était tout le pilier qui était mal peint tout à l'heure. Alors, du coup c'est pour ça, moi je dis non, je vois que du noir moi. Allez on y arrive. Ah on peut descendre pour récupérer des pièces à mon avis. Mais c'est pas grave, on va descendre après. On va parler au Goomba avant. Puis notre campagne de reculer, on suit toujours le Cosimé, mais on adore la violence gratuite, c'est quand même mieux en vrai à la télé. Alors ça fait longtemps en fait que les sbires de Bowser ils sont installés à. Allez le barbouille. Ouais. Après, c'était peut-être pas forcément des sbires de Bowser, ce sont peut-être de simples Goomba. Qui aiment bien la violence gratuite. Oui. Y'a un truc là. Ah non. Okay. Ah non, je pensais qu'il disparaissait, mais comme il est rentré dans le monde et tout. C'est là que tu dois descendre en fait, parce que t'es bloqué. C'est une ombre de moi-même. Voilà. Oh, ok. Ok, les gars, on respire et on se recentre. Ah, tu es enfin derrière! Parfait! Oh, tu fais quoi là? Tu vois pas que c'est occupé? Tu veux espionner? Cherche-toi une autre aire d'observation. Je vais. Qui c'est que je voudrais espionner? Voyons. Genre, je peux prendre ça devant les gens et les saurer. Parfait! Tu es en train de leur expliquer le secret. Mince. Les saurages. Les décapsuleurs. C'est pas un os, hein? Un système ingénieux reposant sur le système de levier habituellement destiné à décapsuler les bouteilles. Les ennemis sont trop forts. Et ils nous donnent encore des sauts miteux, je sais pas pourquoi. Le truc a l'air super dangereux. Ça dit, il faudrait plus que ça pour venir au bout. Ah ouais. Il y a plein de trucs ici. Bah oui, il faut choisir la bonne arme, tu vois. C'est un pic à glace, l'embout pointu fend la glace avec aisance pour une découpe précise. Taille des glaçons de toute taille. Oui, oui, j'ai un peu bugué, mais c'est pas grave. Les rebonds, ça sert à rien. Ils font pas de dégâts. Je sais pas pourquoi ils ont inventé des items qui font pas de dégâts, hein. Il manque qui a bien pu prendre cette arme. Il manque aussi pourquoi elle peut bien servir. Mais tu aimes pas de nous voir prendre cette arme? Non. Bon, c'est toujours pas mon os. Mais bon, c'est peut-être de l'autre côté. Bah. Dommage pour cette carte de fleurs. Non, ça tombe que là. Non? Non, non, c'était là où il y avait... Ah non, c'est là, oui. Mais tu vas te prendre les pics, du coup.
Ah non, c'est là. Ouf. Nous y voilà. Ah oui, d'accord, en fait, tu me parlais à travers le... Attends, t'as vu des techniques de combat? Moi, ça m'intéresse. Trop bien. Bah alors? On est des fans de la première heure, les mascottes ont un charisme inégalable, quel talent. Mais pourquoi je peux pas parler à lui? Ah voilà. J'espère que le colis mêlé se passe pas bien pour eux. S'ils se font laminer, je ne saurais tirer plus de ma carapace. Mais ils se sont déjà fait laminer. Oui, mais c'est bon, tu peux ça. Tu peux... Et une fois arrivé au mur, je vous le donne dans le mille. Vous se jettent rageusement sur les boîtes en carton et des bourres de coups de pied vengeurs. Non mais vous y croyez, vous? Qu'est-ce qu'ils cherchaient, quelque chose? Un truc qui leur aurait fait tomber dans une boîte, mystère. Trop de pression, il fallait que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes, c'est tout. Non mais non! Tu peux pas appuyer sur B, bah non. Jamais tu peux appuyer sur B dans ce genre de circonstances. Oh, ça devient dangereux. Non, je suppose qu'il faudrait que je m'arrête là pour ces deux vidéos qu'on a faites aujourd'hui, parce que... je crois que j'ai un peu abusé du temps, je crois. Hein. Mais c'est pas de ma faute, j'arrêtais pas de me faire attaquer tout le temps. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour la prochaine partie. Salut.